Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro YouTube. Je suis ici avec une nouvelle machine, le Garrett Vortex. Je suis vraiment content de le présenter. Donc ici j'ai une nouvelle prairie, j'ai déjà fait la prairie de gauche qui avait bien donné. Et ici pour mes tests aujourd'hui, j'ai une nouvelle prairie à disposition. C'est une version qui n'est pas encore finie. Qui sera mise à jour dans quelques semaines. Donc je dois envoyer mes rapports aux ingénieurs de Garrett aux USA et la machine sera complète d'ici quelques semaines. Donc voici ma première sortie avec le Garrett Vortex de toute une journée. À tout de suite. Alors pour l'instant je suis en multifréquence, mode standard, sensibilité à 6 et j'ai l'iron audio activé. Donc j'espère avoir des cibles, des sons en direct. Je vais essayer de faire ça en direct, etc. et pouvoir vous partager ma première sortie. Alors comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est une version qui n'est pas encore finie, qui sera mise à jour complètement dans quelques semaines. Donc j'ai l'immense honneur de pouvoir tester les derniers réglages sur le terrain. Donc je vais quand même faire ça en direct, vous montrer les cibles que j'ai, faire un maximum de sons pour essayer de comprendre la machine et voir si je fais des trouvailles tout simplement. A tout de suite. Par exemple, une première cible ici et il m'indique complètement que c'est en ferreux. À 17, il n'y a pas de cible potentielle. Ici, il y a 3 barres avec le multidimensionnel et c'est la barre du milieu qui est vraiment la plus importante. Et les autres sont complémentaires car il y en a une, c'est indication du fer magnétique et l'autre du sol du fer recyclé. Donc voilà, on essaye et on teste ça. Ici aussi, vous voyez, j'ai... Ici, il m'indique un petit potentiel. Mais c'était pas une bonne cible. Ici, j'ai mon premier son aujourd'hui qui claque. Il va jusqu'à 78. Donc j'aurais bien aimé faire ça avec vous. Mais je sais bien qu'ici, le sol est dur à creuser parce qu'il y a pas mal de cailloux. Donc je vais essayer de faire quand même au plus vite. Mais c'est un bon son. Ça a un côté que je n'ai jamais fait comme prairie, donc ça pourrait être cool quoi. Il y a 6 tonalités différentes sur le Vortex. Je vais voir si je le chope déjà au pinpointer. En tout cas, c'est un son que je dois creuser. On n'est pas loin. Vous voyez ici, il y a plein de cailloux. C'est difficile à creuser, mais bon, on prend le temps. Je suis déjà bien content d'avoir une prairie à disposition parce que le fermier est juste en face. Et je lui ai expliqué que pour trouver un terrain maintenant, c'était compliqué. Voilà, ma première cible, un bouton en aluminium. Donc peut-être un bouton de la guerre, mais je suis vraiment content parce que ma première belle cible avec un bon son, c'est une trouvaille. Donc voilà, je vous le nettoie, je vous prends une photo et on continue. C'est bien parti et c'est cool. Pareil, ici j'ai un son jusqu'à presque 80. Donc on va aller voir ça ensemble. Comme d'habitude, pas facile de creuser, mais on prend le temps. Surtout ne pas abîmer la trouvaille, ce serait con. Alors j'ai la version VX9, j'ai les 3 versions sur mon Vortex, mais là j'utilise la plus puissante. Vous voyez ici, j'ai un son jusqu'à 80, c'est sympa. J'y suis.
et c'est encore à bouton en alu. Exceptionnel, parce que je suis pas du tout au même endroit. Le premier que j'ai fait est là, et le deuxième encore à bouton en alu. Bah c'est bien, deux trous de scie, je n'ai pas encore creusé de crasse. Mais avec le multidimensionnel, j'arrive quand même à séparer vraiment les ferreux des bonnes cibles. Donc voilà, pour l'instant j'ai fait deux directs avec des bonnes cibles. Je ferai un récapitulatif des crasses en fin de vidéo. Alors très intéressant, mon dernier bouton est là, que je viens de faire en direct. Et ici, j'ai un son à côté. Je vais aller voir ça. 55. Va falloir le temps que je m'habitue au disque, à bien cibler, parce que bon, c'est le début. Mais pour l'instant, ça va. J'ai eu l'occasion de le tester en Angleterre déjà il y a 2 mois. C'était vraiment cool. J'ai vu des superbes trouvailles en direct. Ok, c'est plus par là. C'est ici. Peut-être un morceau de plomb, malheureusement c'est pas facile de creuser. Non, ça a l'air d'être un ferru ici. On va le retirer, dépolluer. Ma première crasse, c'est une partie de quelque chose mais rouillé. Ici, j'ai un son à faible conductivité. Ça peut être un morceau d'aluminium ou quoi. Mais, et pour apprendre ma machine et par curiosité, je vais aller voir. Parce qu'il y a quand même des petites cibles et des belles trouvailles qui sont moins conductrices. Donc là, c'est sorti. Il est vraiment agréable en main comme sensation. La canne change tout, on a une impression de légèreté. Je vois un petit truc en plus. Ah ben c'est bien, belle petite cible, beau petit exemple, c'est une petite balle, voilà, carabine à plomb ou quoi, je ne sais pas, je suis pas expert en armes, mais c'est le genre de cible qui ne font pas manquer, c'est cool. L'Iron O2 est activé, donc dès que j'ai du fer dans une cible, je suis alerté quoi. L'herbe est un peu haute, mais ça va, ça ne pose pas de problème. Moi j'aime bien quand les prairies sont vraiment rasées, c'est super agréable, mais on va pas se plaindre d'avoir une autorisation loin de là.
voyez, petit son à va ici. C'est pas le genre de choses que je creuse toute la journée, ce serait trop long. Ici j'ai un 165 fixe et c'est une balle de mousquet ou shrapnel ou alors un morceau de plomb. C'est pas très droit. Je suis pas sûr que c'est une balle de mousquet, mais bon, voilà, c'est une cible à creuser, c'est sympa. Et mon pote vient de faire un couteau. Voilà, j'ai été tester le. C'est de la corne. Ah ouais, c'est sympa. Petit canif en corne ou. Enfin voilà, sympa. Deux petites trouvailles comme ça. Et le mien sonnait aussi à 60 comme à 10 sur le couteau. Alors voilà, première petite impression avec le couteau. Avant creuser, mon ami a dit, viens écouter, j'ai un bon indice, il a le Deus 2. Et moi, quand j'ai écouté l'indice, j'ai dit, oui, c'est 60 fixe, mais le multidimensionnel mettait la barre du fer aussi. Il disait qu'il y avait du fer dedans. Et effectivement, la preuve, c'est qu'il y a une bonne cible, un bon objet, mais il y avait du fer avec la lame. Donc voilà, vraiment content pour le moment des ressentis. La version, même qu'elle n'est pas finie, quoi, on va dire, ça promet. Ça promet parce que là, il a été super précis. Et voilà, je ne critique pas du tout le DX2, c'est une super machine. Mais il m'a donné une information en plus, on va dire, c'est sympa. Alors si tu peux t'abonner, liker et partager cette vidéo en commentant, ce serait vraiment super cool. Merci à toi et merci pour le soutien. Je viens d'enchaîner quelques crasses, quelques morceaux de shrapnel. J'ai enlevé la GoPro de ma tête parce qu'il fait plus de 30 degrés aujourd'hui. Et pas facile ici. À première vue, je croyais que c'était une monnaie, ma première monnaie aujourd'hui, mais non, c'est un objet. Donc je vais voir ça avec vous. J'ai regardé un peu déjà, mais j'ai pas encore frotté. Ah ouais, il y a l'air d'avoir des décors dessus. Je ne sais pas, ça a l'air d'être un reste de boîte, un reste de... En tout cas, ça a l'air beau. Vous aurez une photo nettoyée, je suis vraiment content. Ça a super bien sonné. Maintenant, je vais creuser trois sons qui étaient des balles de mousquet. Et ça, c'est un très bon son aussi. Donc voilà, je continue un maximum parce qu'il fait vraiment très chaud. Et voilà, je vous retrouve quand j'ai des sons. J'ai mon meilleur son aujourd'hui. Donc je tenais absolument à le faire en direct. C'est 79 fixe. Alors, quand j'ai fait des tests en Angleterre, 78 et 79, c'était vraiment les gros modules de monnaie. Les monnaies avec beaucoup de conductivité. Donc ici, on va voir, peut-être balle de mousquet, canette. J'ai cru apercevoir une balle. Et non, c'est un anneau. Voilà, qui a l'air en bronze. Mais c'est une super cible, quoi. Voilà, je l'ai vu direct et je voulais faire ça en direct parce que c'est le genre de choses que... Ben voilà, ça indiquait vraiment une bonne cible, une monnaie en argent ou une grosse monnaie, quoi. Donc voilà, on continue. Alors ici, j'ai fait une belle petite trouvaille qui sonne super bien. Alors entre 67 et 71, et ce qui est comique, c'est qu'hier, j'ai fait ma première boucle et ici... Je refais une boucle, mais cette fois-ci avec l'ardillon. Donc elle est complète. Elle est magnifique. C'est génial. Franchement, ici, il y a quand même pas mal à faire de ce côté-ci. Je n'ai jamais fait. Donc je vais prendre mon temps. Il y a des crasses, il y a des morceaux de shrapnel. Je ferai un récap des crasses après. Donc voilà, je continue, je dépollue. Et de temps en temps, j'ai une trouvaille, quoi. A tout de suite. Ici, j'ai fait ma première monnaie, mais j'ai été surpris parce que ça sont à 50. Mais c'est une monnaie à trous. Donc, c'est des monnaies qui ne sonnent pas fort. Donc, j'ai été quand même la chercher assez profond. Je suis quand même content d'avoir fait ma première monnaie. Et j'ai vu que c'était une monnaie à trous. Donc, voilà, j'ai vérifié. Et comment dire, c'est ma première monnaie aujourd'hui. C'était pas gros à 10, mais c'est pas une monnaie qui sonne fort à la base. Donc voilà, ça fait une petite monnaie. Je continue à tourner ici, je suis sûr qu'il y a des trouvailles à faire. Je dépollue en même temps, je vous montrerai les crasses. Je montrerai les crasses au fermier, ça lui fait à chaque fois plaisir. Et voilà, c'est un endroit où je peux venir assez tranquillement. Et voilà, de toute façon, je demande toujours avant de rentrer dans un terrain. A tout de suite.
Ici, très bon son fixe, 67. Je pense que j'ai vu ce que c'était en creusant, mais bon, je vais quand même le filmer, on ne sait jamais. À une dizaine de centimètres, ici, un gros morceau de plomb. Je pense que c'est bien ça. Oui, gros morceau de plomb ici. Voilà, ça l'a pas raté. Peut-être une balle de mousquet écrasée ou quoi. C'est même fort probable. Donc voilà, c'est cool. Alors ici, ça fait un moment que je tourne. J'ai changé de prairie d'ailleurs. Je suis venu près des vaches pour essayer un peu de ce côté ici que j'ai déjà fait. Mais l'année passée, ça a été labouré. Donc c'est une prairie qui a été retournée. Ça peut être sympa. Ici, j'ai un son à 60, une quinzaine de centimètres et c'est un bouton. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des choses dessus, mais je n'ai pas encore frotté complètement. Il a l'air quand même concrétionné, c'est rouillé à l'arrière, mais il a l'air d'avoir de trucs dessus. Donc franchement, c'est super sympa, j'adore les boutons en plus. J'essaye de faire un maximum de cibles, je fais pas mal de balles de mousquet, de balles de shrapnel, des morceaux de crasse, des petits morceaux de plomb. Et quand j'ai des trouvailles, je partage ça avec vous. A tout de suite. Alors ici sympa, son à 60, fixe, je l'ai sorti quand même assez vite, je pense que c'est un plomb de sac mais je ne l'ai pas encore frotté parce qu'il est un peu bizarre, oui c'est un plomb de sac, mais il a l'air joli, franchement c'est sympa, il a, je sais pas, il a une forme spéciale, vous aurez une photo nettoyée parce que j'ai pas l'habitude d'en faire des comme ça mais c'est bien des plombs de sac, donc voilà, on continue, c'est un beau petit coin ici, on essaye de faire des trouvailles. Pour comprendre tous les termes utilisés dans cette vidéo, je te conseille ma dernière vidéo de la présentation officielle du Gareth Vortex qui s'est passée en Amérique et je l'ai traduit et mis les sous-titres en français. Donc tu peux regarder la vidéo complète et comme ça quand je parle de multidimensionnel, de VX5, de VX7, VX9, tu ne seras pas perdu. Et je te donne un max d'informations sur le terrain. Voilà, la présentation officielle est complète et moi c'est vraiment les ressentis et les tests sur le terrain. Alors voilà, j'aurais tourné et fait un gros test aujourd'hui avec le Gareth Vortex. Il fait plus de 30 degrés donc quand même pas facile. On a dépollué un maximum. Ici j'aurais fait quand même une monnaie, une boucle. 2-3 boutons, encore un bouton que je n'ai pas filmé mais il n'y a rien dessus, cache de je ne sais pas quoi mais ça a l'air joli, je verrai au nettoyage, donc voilà, super content de mon test, j'ai hâte de faire d'autres terrains et tout ça parce que ici j'étais quand même pas mal venu et là bah, j'ai commencé à faire tout doucement et pas mal dépolluer et trouver 2-3 trucs, donc voilà, j'espère que le numéro vous a plu, abonnez-vous et partagez la vidéo, likez et je vous dis à la prochaine. Les amis, je vais arrêter le numéro pour aujourd'hui. Je viens de me faire charger par les vaches. J'ai eu vraiment peur. Donc je suis sorti du truc. Et je vous dis à la prochaine, on reprendra ça et on fera des sorties complètes.